Alors, je vous fais une petite vidéo pour faire quelques blablas et parler cuisine. Je sais qu'il y a des filles qui aiment bien quand je parle de mes petites recettes de boulanges, de gâteaux, tout ça. Donc déjà, je voulais reparler de ma commande ELF. Là, je rigole parce que c'est nerveux. Je suis allée ce matin au relais. Alors aujourd'hui, carrément, ils ont pas du tout reçu de colis. Donc comme ça, il n'y a pas eu de livraison. Donc moi, ça fait 2 jours que ça dit que mon colis il est livré et ça fait 2 jours que ben qu'il n'y est pas. Donc voilà, j'espère que cet après-midi il va arriver les colis. Sinon demain, sinon lundi ou mardi ou mercredi, enfin j'en sais rien, ça commence à me saouler un petit peu. Voilà, sinon vite fait mon make-up du jour, j'ai mis les photos avant la vidéo. Donc ça va être la palette de chez Réserve Naturelle que donc Led Von D m'a offert. Bisous ma sista! Les fards sont un peu métalliques et un peu irisés, je sais pas comment dire. Voilà, bon, enfin sur la photo on voit pas trop, mais donc j'ai utilisé un crème et un violet. Sinon, allez, Hop, on tourne. parlons cuisine. Donc aujourd'hui, c'est la fête à l'école de ma fille. Donc j'ai fait trois choses. Je sais pas s'ils donnent ou s'ils vendent, je crois qu'ils font les tickets pour vendre. Donc d'abord j'ai fait un gâteau au chocolat au micro-ondes. Donc c'est rien du tout à faire, hein. Voilà. Après, j'ai fait. Ça, ce sont des mini panettone. Voilà. Au lieu d'en faire une grosse, moi j'en ai fait des petits dans des petits. Voilà. J'utilise ça pour faire des mini panettone. Et après, j'ai fait des escargots. Ça, c'est une base de brioche qui s'appelle. C'est la brioche d'Andrea. En fait, c'est la brioche. C'est une brioche que j'ai faite pour ma fille, donc j'ai appelé la brioche d'Andrea. Et je fais tout avec, je fais des chinois, vous savez, c'est des trucs ronds à la crème, aux pépites de chocolat. Je fais comme ça des escargots. Là, ils sont pas vraiment nature. Dedans, il y a une crème petit suisse et compote de pommes. Donc, il y a 3 petits suisses, une compote de pommes, de la cannelle, 4 épices. Et voilà. Et j'appelle ça les escargots de Noël parce que ça a un goût... C'est un goût très. Ouais, c'est un goût façon Noël. Et une petite pointe de gingembre. Les recettes de base de tout ça, je vais vous mettre le lien dans la barre d'information. Je ne vais pas vous donner les recettes là parce que sinon ça va être trop long. Donc en fait, ces recettes, elles sont sur le site de recettes Francine. Vous n'avez pas besoin d'être inscrit pour regarder mes recettes. J'ai environ une cinquantaine de pages de recettes. Donc je vais vous donner les liens. Donc pour le panettone c'est page 41, le gâteau au chocolat c'est page 31 et les brioches là c'est page 36. De toute façon il y a toutes les infos voilà, hein, dans la barre d'information. Sinon je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite. Ce matin j'ai encore acheté deux petites choses pardon, à ma pharmacie chez Nux pour finir je voulais dire. Je voulais dire ça. Et je vais peut-être faire un petit jeu concours pour gagner une petite pochette de voyage Nux avec des mini, des échantillons. Enfin, je suis en train d'y réfléchir, je vais voir. Voilà, je vous fais un très gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Tchuss and rock and roll. Wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke.